Hello. Hi. We're going to the Santa Monica Pier. Yeah. Thank you. Can we pay by card? Yeah. Okay, great. Bon, ok, on est retourné à Santa Monica avec Zee. Et en fait, je sais pas si vous voyez l'amas de gens là-bas. Parce qu'en fait, il y a un Dracolos. Oh, le sable, c'est une horreur. Ils sont tous là-bas. Et on a trouvé un ami américain qui est là, qui vient de San Diego, qui fait des vidéos aussi. Et il nous a dit, il y a un Dracolos là-bas. Et les gens, c'est un truc de ouf. Genre, what the fuck. Bon, moi je l'ai eu, il a un PC dégueulasse, mais c'est pas grave, mets-toi dans le même sens. Mais là, on voit là à fond tout droit avec ton doigt. Ah, mais non. Voilà. Ah. Tourne le téléphone un peu. Oh mon dieu. Non. Il va se barrer, 100% le mien, il va se barrer. Come on. You have to get it, man. I have to get it too, dude. Yep. I think mine's level 2000. Yeah, I think so. What level are you? I'm level 24. Oh yeah, yeah. Putain, il est level 24, il est point d'interrogation, mec. I got it. Got it? Yeah. Come on, stay in. Oh, oh nice! Oh shit, let's see what's next. Let's check, yeah, let's check. Draco shock. Oh my god! It ran away! Yeah, Dragonite! Can you speak French? No. Not at all? No. Not even a word? On. Huh? I could just say on. On? One. You mean one? Do. It's un. On. De. Deux. Nice! That's it. Say hello. I'll say hello. I'm from America and we got a Dragonite. At the pier. Demarre pour sûr. Tu te manges? J'arrive. J'ai fait tomber ma savonnette. Tall Java chip. For me. Alright, there you go, thank you. On vient d'arriver dans la salle du coach chambre, donc on est à la petite. Non, on est à la. C'est la winner, finale winner, ça. Là, on va quand même regarder un peu les matchs parce que ça commence quand même à devenir les parties un peu intéressantes du tournoi. Et là, en fait, on est aussi là. Donc, en fait, les deux équipes sont là. Une là, une là. Donc là, c'est Envy contre Elevate. Je pense pas que vous connaissiez, mais Envy, ouais, c'est assez connu. Nous, on était Envy d'ailleurs une année pour le sniping. Et là, on va voir l'ambiance et tout est plutôt cool. Là, c'est toujours sympa, mais c'est vrai que quand ce sera en finale, l'ambiance va être juste incroyable. Et je vais filmer une bonne grosse partie de la finale, je pense. Là, on va regarder un peu, manger un coup, et puis voilà. La finale va bientôt commencer. On va juste récupérer un petit truc à manger et on va se poser. J'étais en train de monter le bloc que vous avez vu certainement hier ou avant-hier. Et du coup, on va se poser. Là, ça commence à être bien blindé. Donc, je sais pas trop si on trouvera de la place. On va essayer. David Van Der Haar. C'est parti pour la finale! En train de défoncer. Oh, oh mon dieu! C'est la première fois qu'une équipe européenne arrive en finale des Call of Duty Championship Chips. Et il vient de gagner la première game contre les Envy Chips. Ouais. Et il vient de gagner la première game en HP contre les Envy, qui sont donc les Américains. C'est vraiment une ambiance. C'est un exploit. C'est un exploit, c'est une histoire. Ils écrivent l'histoire. Ils ont écrit leur propre histoire même. Inventée même. La dernière game de la victoire, il y a 4-1 pour les Envy. S'ils gagnent cette game, ils gagnent le tournoi. Et donc 800 000 $ à se partager à 4.
Et voilà, c'est fini. Les Envy sont champions du monde de Call of Duty. World League Championship, effectivement, ils sont champions du monde. Et là, on a Snoop Dogg et Wiz Khalifa qui arrivent. Je vais pouvoir mettre des petits passages, mais je pourrais pas mettre la musique, sinon c'est copyright. T'es content? Oui. Et une interview, vous avez quelque chose à dire? Bah, moi j'aurais été là, j'aurais 1v4. Ouais. Mais vu que je suis nul, bah. Poil. À poil, bien sûr. C'est tout. J'ai que ça qu'à dire. Là, on attend Snoop Dogg. Et en fait, bah, il est pas. What? Et voilà, on se retrouve le lendemain matin du concert, je n'avais plus du tout de batterie, et le soir on n'a rien fait de spécial à part manger au restaurant et tout simplement remonter dans les chambres pour dormir. Là, retour aujourd'hui bah, du coup à Paris, alors du coup il y a 11 heures de vol et 9 heures de décalage, donc 20 heures en gros dans un avion avec le décalage horaire. Et j'arrive à Paris directement et je rentre chez moi. En attendant, on attend Zidar hein, qui est toujours en retard hein, comme d'habitude. Et puis on va tout simplement se diriger à l'aéroport. On est juste à côté, on était au Sheraton juste à côté de l'aéroport. Donc du coup, j'ai pas pu faire le plan de drone parce que l'aéroport était beaucoup trop proche. Et à Santa Monica, trop de policiers et d'interdictions. Le drone ne pouvait même pas décoller, c'est-à-dire qu'il y avait une zone rouge autour de Santa Monica. Le drone n'avait pas le droit de décoller si je ne remplissais pas un formulaire en disant que j'étais responsable de mes actes s'il se passait quelque chose. J'ai quand même pas envie d'avoir des problèmes, donc je n'ai pas rempli le formulaire. J'espère pouvoir revenir ici pour vous refaire des plans peut-être à d'autres endroits de Los Angeles, mais là c'était un peu short avec le planning qu'on avait. Bref. J'ai ces deux petits trucs là, c'est un Lego et les contrôles freak. J'ai mis gift for you if you have a kid. Pour la femme de ménage, si elle a un gosse ou un gamin qui joue, ça lui fera peut-être plaisir. Tout le monde repart en même temps, c'est un bordel. Je sais pas comment je vais faire là. Il a récupéré les posters, il s'est pour les foutre. Je suis complètement perdu là mec. Il a trois valises et un truc de poster, voilà. Est-ce que t'es plutôt heureux? Ouais, franchement je pense que ça va être assez comique. Ça va être bien hein. Ouais. Bonjour. Merci. Voilà. J'espère. Bon, je vous explique, il va nous arriver un bordel. Mais je peux pas voir de toute façon. En fait, on devait à la base être à la place 14 A et B. On avait payé en plus pour être à côté, pour être proche de la sortie. Pour être sûr d'être à côté. Pour être sûr d'être à côté aussi. Et en fait, il y a une amie qui nous a demandé, écoutez, je suis avec ma femme, avec mon mari et mon fils, ça vous dérangerait pas de changer de place avec eux, comme ça on est les trois à côté. Nous, comme deux cons, on a dit oui, pas de soucis. Comme deux gentils. Comme deux gentils, on a dit oui, pas de soucis. Ils nous ont donné nos places, enfin leur place. C'était le 26 K et elle, et on est arrivé, il y avait déjà deux personnes dans la place là, on fait, mais c'est pas normal. On a regardé, en fait, après on s'est rendu compte après. Que les billets avaient été imprimés deux fois. En fait, il y avait deux fois deux gens qui avaient les mêmes billets. Voilà. Et du coup, on s'est retrouvé en 33. On est en quoi là? B et C. Voilà. 33 B et C, on devait être en 14. Ça a juste mis 20 minutes quoi. Voilà, ça faisait 20 minutes. On pensait faire le voyage debout. Ou en première. Ou en première, en fin de compte, on s'est retrouvé en 33.
Voilà, c'était l'anecdote de la jambe. Merci beaucoup Air France. Ça fait 4 fois avec Zidar qu'on essaye de... faire qui veut gagner des millions, c'est tellement dur. On a fait combien? 64 000 euros. On a fait, ouais. Le meilleur qu'on ait fait, c'est 64 000 euros. Genre on a réussi 10 sur 15, un truc comme ça. Ouais, tellement dur, on va essayer de gagner, on va voir. Là on est arrivé à 500 000 euros, donc du coup... On arrive à 500 000, il reste la question à 1 million. Là aussi c'est la 500 000 sans faire exprès. Et là du coup, il nous reste une question, et on a le million. Vas-y, appuie, tu veux ouvrir la question. Dans le roman de Dumas Fils, de qui la dame aux camélias était l'amoureuse? Oh. Jean-Marc Ayrault, je crois que c'est. J'ai aucune idée. Moi je dirais Armand Duval. Armand Duval? Armand Duval, attention. Un million d'euros. Oh la vache. Et là ils sortent de l'écran bien sûr. Let's go, distribue. Je crois qu'on a perdu 3 fois 1000. On a perdu 3 fois 1000 et on a gagné 1 million. Putain. C'est que je suis monstrueux. La question d'avant, pareil, ça me disait quelque chose, mais genre sur 0. Duval me disait quelque chose aussi, mais. On en fait une. Don't stop, been singing deeper in thought.